Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà sûrement regardé ce couple sur TikTok qui donne à certains l'envie d'aimer. Ils se permettent des danses hyper chaudes en direct. Ils mangent des repas bizarres mais qui ont l'air délicieux. Ils fument même le banga en couple. Ils ne se quittent jamais des yeux et vivent ce qu'on peut appeler une vie de paix et d'amour. Mais est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas toujours été comme ça? Est-ce que vous savez que cet homme et cette femme aujourd'hui Rastafari, à la limite de la démence, étaient pasteurs? Ils vivaient une vie normale comme la plupart d'entre nous, avec des enfants, des richesses et des biens. Mais un jour, une tragédie les a frappés alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Et depuis ce temps, leur vie a totalement basculé. Autrefois, Dam et sa femme Joyce Lynn vivaient en harmonie et dans la paix du Seigneur. Lui était pasteur et sa femme était son assistante. Ils avaient construit une église et s'étaient fait une véritable communauté de fidèles. Ils ont eu deux enfants, une première fille et ensuite un garçon. Malheureusement, en 2021, leur fille est décédée. Tragique, triste et comme si ça ne suffisait pas, la même année, ils ont également perdu leur fils. Ce qui est assez troublant, c'est cette façon que Joyce Lynn a de rendre hommage à ses enfants chaque fois que c'est le jour de leur anniversaire. C'est alors que le 16 avril 2023, jour de naissance de son fils, elle a déclaré ceci. « À la mémoire de mon garçon Elsha, le garçon dont le père a sacrifié pour sauver le monde entier. » Bien évidemment, elle a continué avec des déclarations complexes et troublantes, difficiles à interpréter. Et si Joyce Lynn est arrivée à dire ça, c'est parce que au début de l'année 2021, le couple a commencé à avoir des difficultés financières. Et après la mort de leur première fille, beaucoup de fidèles ont commencé à quitter leur église, soupçonnant Dame d'avoir eu recours à des pratiques occultes pour bâtir son église. Du coup, ils ne recevaient plus de dîmes, ils ne recevaient plus d'aide, les gens se méfiaient de plus en plus d'eux et ils étaient, on va dire, en quelque sorte marginalisés. Leur empire s'écroulait sous leurs yeux. Ils ont même essayé de vendre leur église pour essayer de construire une ferme. Mais personne ne voulait acheter l'église au vu de tout ce qu'ils se disaient et ils n'avaient pas de moyens de financement. Ce qui est venu empirer la situation. C'est alors qu'en dernier recours, l'homme, prétendant avoir reçu un appel divin, a, selon sa femme, sacrifié leur fils pour sauver son église, car il est persuadé jusqu'aujourd'hui que sa mission est de sauver le monde. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. À ce propos, il y a un proche de Dame qui a tenu à expliquer les choses d'une façon qui va vous surprendre et qui va vous étonner. « Je suis un proche du pasteur Dame et croyez-moi, ça n'a pas été facile pour nous. Il était un homme calme et normal jusqu'en septembre 2021. » Sa femme Joyce se portait également bien. Ils n'avaient pas ce comportement qu'ils affichent aujourd'hui. Je ne sais pas pour Joyce parce que je n'ai pas grandi avec elle. Et nous n'avons pas assez d'informations sur son passé et sur sa famille. Bien sûr, nous n'étions pas tous d'accord avec leur mariage parce que nous ne connaissons pas la famille de Joyce. Mais les parents ont dit à Dame d'épouser l'amour de sa vie. C'était autour de 2012. Leur mariage n'avait pas été accepté par tous. Et ils vivaient dans une chambre de notre maison familiale avant d'acquérir un terrain où ils ont construit une maison et une église. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils sont devenus comme ça à cause de la mort de leurs enfants. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont commencé à vivre comme ça bien avant la mort de leurs enfants. Ils sont tous les deux morts dans des circonstances étranges et similaires. Quand ils ont adopté ce mode de vie, ils passaient jusqu'à une semaine sans manger et se nourrissaient que de décoctions bizarres. De recettes dont eux-mêmes avaient l'explication et ils mangeaient ça avec leurs enfants depuis 2021. Les enfants étaient devenus méconnaissables, très maigres et très mal nourris. Et je crois que c'est ça qui les a tués. Nous pensons qu'à la base, Dame n'a pas acquis ses richesses de façon normale. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais il a commencé à se faire de l'argent alors qu'il n'était même pas encore pasteur. Il a construit des maisons, a acheté des voitures. Et tout cela sans aucun travail. Nous avons essayé de les aider individuellement, mais en vain. Ils pensent qu'ils vont bien et qu'ils n'ont besoin d'aucune aide. Et si vous allez chez eux et dire que vous venez les aider, ils vont vous chasser avec des couteaux. Donc, ce n'est pas comme si nous les avons abandonnés. Nous essayons de les aider, mais c'est très difficile. Du coup, les amis, après ce témoignage du proche de Dame, cette histoire a fait un boom au Ghana au point où Dame et sa femme, dans leur état actuel, ont été interviewés. Et à chaque fois, ils tiennent des discours différents. Dame n'a jamais avoué publiquement avoir sacrifié ses enfants parce que, vous le savez, cela peut être l'objet d'une poursuite judiciaire. C'est terrible, mais ils disent que s'ils sont au point où ils sont arrivés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont voulu croire en Dieu
Et malheureusement, croire en Dieu seul ne suffit pas. Et avoir une église ne donne pas à manger. Honnêtement, quand moi j'écoute ça, je ne suis pas très choqué parce que vu leur allure et vu tout ce qu'ils font, cela est clair qu'ils ont des problèmes mentaux très 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 avancés et qu'il faut les prendre à charge de gré ou de force. Donc je vous invite, vous dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous likez, vous commentez et vous partagez. Et on se dit à très vite. Ciao.